On est venu déjà pour vous encourager, parce que c'est pas facile là, dans notre métier là, lorsqu'on vient jouer sur un stade comme ça et qu'il pleut, c'est très compliqué, c'est un peu compliqué, mais comme c'est notre travail, on doit toujours venir. Si vous vous entraînez pas, vous pouvez pas bien jouer au football. Donc je suis venu ici pour vous donner quelques conseils avec tout notre staff que vous voyez là. Je sais que certains parmi vous sont venus. J'ai eu votre président aussi, avant qu'il ne devienne président de votre équipe. C'est vraiment un petit qui a accepté à prendre. Donc au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas surpris de voir qu'il y a des grands garçons qui l'encadrent très bien.
days are gone too soon. You shoot the moon and miss completely. And now you're left to face the gloom, the empty room that once smelled sweetly of all the flowers. Par ce stade, on a joué ici, même dans les Lions, on a gagné des trophées comme vous êtes en train de le faire aussi aujourd'hui. Et nous voulons vous transmettre notre expertise. Nous avons l'avantage d'avoir, au jour d'aujourd'hui, un syndicat qui défend les intérêts des joueurs. Et pour défendre vos intérêts, il faut que vous puissiez savoir que vous-même, vous avez des devoirs et des droits. Chez nous, là-bas, nous ne venons pas pour faire la guerre aux différentes factions ou bien aux entraîneurs, aux arbitres, aux présidents de club. Nous, c'est le joueur. Il s'agit du style d'accord qu'on a fait avec la FIFA mondiale et la FIFA, dont nous défendons les intérêts des footballeurs africains sur tous les plans. Bon, il y a aussi notre devoir et notre raison d'être en tant que footballeur, d'essayer de prodiguer des conseils aux footballeurs, aux jeunes footballeurs, aux anciens même qui sont là. Aujourd'hui, vous voyez dans quel état vivent nos anciennes gloires, dans un état de décrépitude totale. Il faut leur donner des conseils et puis trouver un cadre pour les aider à l'après-carrière, comme nous l'avons fait au Cameroun. Et donc, on s'est inspiré de tout cela pour faire cet accord avec la CAF. Maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who I'm too young. And it's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken heart. Hallelujah, 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 hallelujah.
Merci. Ça va, ça va. Moi, je suis Camerounais. Voilà. David Maïbi, le président du syndicat des footballeurs camerounais. Je suis membre de la FIFA. Nous sommes très heureux de savoir qu'on a des jeunes frères comme vous qui viennent du football. Je suis le secrétaire général, le patron de FIFA. C'est lui le patron. Le président, tu as fait la photo avec lui. On fait la photo ensemble. Pour répondre à ta question, 5 ans après, comment nous vivons ça, je vais te résumer la chose en 3 mots. Surprise, famille et nostalgie. Surprise pourquoi ? Surprise parce que notre père nous a toujours paru invincible. Donc savoir aujourd'hui qu'il n'est plus là est très très compliqué pour nous. Très compliqué pour nous. Il nous a transmis beaucoup de force. Il a toujours été la pierre angulaire de cette famille, présent pour chacun d'entre nous. Il nous a forgé un mental de battant. Et donc, aujourd'hui, qu'il n'est plus là, c'est de plus en plus difficile. Famille, parce que ça nous a permis, sa disparition nous a permis d'être encore plus soudés qu'avant. Il a basé notre éducation sur des valeurs familiales. Voilà, on est très proches les uns pour les autres. On essaie d'être présents à chaque moment de nos vies. On essaie d'être là les uns pour les autres et surtout de former un bloc autour de notre mère qui est toute seule aujourd'hui. Voilà, ces valeurs-là, ils nous les ont transmises, lui et notre mère d'ailleurs. Et aujourd'hui, on s'appuie fortement là-dessus pour avancer. Nostalgie parce que voilà, il nous reste que des souvenirs à tous les événements de nos vies. Aujourd'hui, il y a eu le mariage très récemment de notre petite sœur, la dernière. Reste des moments où il y a beaucoup de nostalgie. Ce n'est pas pareil sans lui. Donc on continue à penser à comment il aurait fait, comment il se serait comporté. Voilà, ça, j'ai cité cet événement-là, mais il y en a pas mal d'autres qui nous renvoient à nos souvenirs. Voilà, donc c'est comme ça qu'on voit aujourd'hui, 5 ans après. On reste fort, on reste soudé, on avance ensemble. On essaye de faire bloc face à toutes les difficultés. Et voilà. Donc si de là-haut il peut nous entendre, il peut m'entendre aujourd'hui, je vais lui dire une chose qu'on ne prononce pas beaucoup dans notre famille parce que nous sommes très très pudiques aussi. C'est papa, nous t'aimons fort et tu nous manques. Voilà. Oui. Madame Veuf Maïbi, bonsoir. Bonsoir. Oui. 5 ans après, jour pour jour, le 15 mai 2021, c'est pratiquement un souvenir triste, mais qu'on décide de célébrer plus tôt. Comment est-ce que vous vivez en tant que la veuve de M. Maïbi 5 ans après. 5 ans après, mes enfants et moi avons décidé de célébrer la vie de M. Maïbi. Parce que nous ne voulons pas rester dans les pleurs. C'est vrai, les blessures restent là, l'absence est là, la nostalgie est là. Mais nous voulons rendre grâce, surtout rendre grâce à Dieu. C'est pour ça que nous avons décidé, au lieu d'envoyer encore un message de détresse, le Seigneur nous a accompagnés dans tous les combats. Il a vaincu ceux qui se présentaient comme des ennemis. Nous n'avons pas d'ennemis.
Et lorsque nous voyons que le Seigneur nous a soutenus, nous ne pouvons que être dans la reconnaissance et dans la célébration. Et durant les 5 ans, c'est vrai, on a tourné la page de la tristesse et on veut célébrer. On sait que le bon Dieu est avec cette famille qu'il a laissée depuis 5 ans. Est-ce qu'il y a des personnes qui étaient proches de lui justement qui, en quelque sorte, hein, continue à vous accompagner dans cette célébration? En réalité, nous n'attendions personne. Parce que, ayant vécu sa vie pendant plus de 35 ans, je savais que personne de ceux qui le côtoyaient n'était sincère. Tout le monde profitait de lui. Et personne, au moment des difficultés, n'a été présent déjà de son vivant. Quand il est parti, franchement, il n'y a que mes enfants et moi et ma propre famille, c'est-à-dire mes frères et sœurs. C'est eux, Dieu nous les a placés sur le chemin. C'est avec eux, avec mes enfants, avec mes frères, mes sœurs, que nous nous en sortons, évidemment, par la grâce de Dieu. Oui, on ne va pas tellement continuer à parler, mais ce 5e anniversaire, qu'est-ce qu'il y a de spécial en dehors de la prière, en dehors de se sentir en famille? Est-ce qu'il y a un message particulier envoyé à l'endroit de son esprit qui se repose en ce moment du côté du paradis? En tant que chrétienne protestante, nous savons que quand quelqu'un est parti, il est parti. Mais puisque notre imagination vagabonde souvent, le seul message que je lui envoie, c'est merci. À lui, je dis merci d'avoir été dans ma vie. Merci d'avoir accompagné nos enfants pour qu'ils deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui. Et eux qui le prennent comme un exemple, merci d'avoir été cet exemple-là. Merci d'avoir été l'homme qui, depuis le premier jour, a été pour moi quelqu'un sur qui je pouvais compter en toutes circonstances. Donc ce n'est que le remerciement à Dieu et à lui, parce que les souvenirs des derniers moments ont beaucoup envahi mon esprit pendant les 4 premières années. Mais depuis précisément décembre 2020, je suis rentré dans la logique des bons souvenirs, c'est-à-dire de ce que nous avons vécu de bien. J'aurais voulu que ce soit plus longtemps, puisque nos carrières respectives ne nous ont pas donné beaucoup de temps et puis il fallait s'occuper des enfants. C'est au moment où nous nous disions que bon, maintenant on va prendre le temps pour nous-mêmes, il est parti. Mais il y a quand même eu des moments où nous nous sommes retrouvés. Ces dernières années, nous avons pu profiter l'un de l'autre. Voilà, à lui je dis merci. See what you've done for me. See how you deliver.